Ah, je m'étouffe, je suis en train de m'échauffer la voix. bonjour, bonjour à tous, et tout du moins bonjour à toi tout seul, Gilles Est, qui est présent pour ce premier live de The Order 1886, parce que je suis une merde en anglais et je n'ai pas envie de chercher à dire 1886 en anglais. Voilà, salut Kikou Panda, salut donc Gilles Est, bonjour à vous deux. D'être là, d'être présent. Bon, peut-être que ça va monter au fond. Bonjour Morgo, je sens que je veux dire bonjour à 400 personnes en même temps. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelques petits lives, mais là on recommence les petits lives sur The Order 1886. Alors voilà, c'est un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire, en ce moment, hein, dans la presse vidéoludique et même sur Internet. Voilà, c'est un jeu, on l'aime, on ne l'aime pas. Voilà, bah, écoutez, moi, je vais donner mon propre avis. Bien, au fur et à mesure du jeu, progressivement, on verra bien. On va voir comment ça va se passer. Bon, après, déjà, je ne suis pas objectif, mais l'action du jeu se situe dans un univers que j'apprécie, tout ce qui est steampunk, époque victorienne, tout ça. Donc déjà, c'est un bon point. Voilà. Après, est-ce qu'on va pas s'embêter? Bonjour Dampstre, est-ce qu'on va pas s'embêter sur le jeu lui-même, à cause du gameplay, à cause du scénar, tout ça? Ça, on va le voir progressivement tous ensemble. Salut Xenies! Donc voilà, j'espère que ce premier live va vous plaire. Si ça continue, enfin si ça vous plaît, on va continuer, on va essayer de le finir et tout. Bon, pas aujourd'hui bien entendu, hein, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, je devais être Morgoth, oui. Je pense que c'est ça. Salut Vorkez, salut à tous les petits nouveaux qui arrivent. On va commencer. Eh bien. C'est parti. Salutations à vous. Le Let's Play of the Dead sur The Order 1886. C'est maintenant. On commence. C'est parti. Nouvelle partie. Alex Powercolt, bonjour. Comment ça? Vous avez quitté l'application, seul le son du micro. Bon, voilà. Ah, d'accord, ok. Alors, continuez, c'est parti. Pétard, si vous êtes, si vous avez peur de l'eau ou des noyades, ce jeu est fait pour vous dès le début. Je préfère vous avertir. Je ne comprends rien, je n'entends rien, je suis perdu. Ce remake de Titanic m'a l'air fortement impressionnant. Ah, je ne sais pas si le. Attendez. Déjà, ça claque la rétine quand même, hein. Nous sommes tous d'accord pour dire C'est que qu'il les a bien cinématiques sont failli nous super beaux. claquer entre les doigts. On en met une couche. Pétard, ils se font tous un concours de la plus belle moustache des années 80 ou quoi? C'est fantastique. As-tu fini Zelda Majora's Mask 3DS? Yeah! Est-ce que tu es impatient du retour d'Arte en France? Bien entendu. Bon, ça commence bien quand même, hein? Ça commence bien avec une petite séance de torture comme on les aime, hein? Ah là 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 là. Alors. C'était que l'échauffement! T'inquiète pas, c'est pas fini. On recommencera plus tard, d'accord? Ah, d'accord. Ok, pourquoi vous êtes essoufflé alors? C'est moi qui étais dans l'eau. Allez, par ici. Lève-toi, monte là-haut. Prenez des pastilles, les mecs, hein. 42 115, bonjour à vous. Enfin, bonjour à toi, surtout. C'est la musique qui va être trop bien avec. Le violon, c'est ma passion. Ouh. Oui, c'est vrai qu'il y a la voix du. Le doubleur, ouais. Le comédien de doublage de Flash des années 90. Allez, faites pour rêve. Et amuse-toi bien. Jean-Paul, tu as un problème avec ta gorge? Non, ça va. Oui, parce que vous allez voir les personnages dans ce jeu. J'appelle Jean-Paul. Je pense qu'il va y avoir Bob. À un moment là, il y a Pierre. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Vorkez, merci pour cette précision.
C'est l'heure de votre bain, Milord. Encore? Mais attendez, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu ce passage temporel, j'ai l'impression que ça fait 10 secondes que j'ai pris mon bain déjà. À ce rythme, je doute qu'ils tiennent le coup très longtemps. Chevalier un jour. Voilà, donc à mon avis, c'est le titre du premier chapitre. Donc Chevalier un jour. Ah, le 20e de novembre en 1886, catacombe de Westminster. La cathédrale de Westminster. Là, c'était pas compliqué. C'est reparti! Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas compris, je cherche des réponses là. Ah bon. C'est donc comme ça que vous parlez de ma mère. Hein. Il y a le gentil chevalier, le méchant chevalier. Mais en fait, il y en a, il est très très cool. Hein. Ah. Tiens, mange-toi ça, le cutier d'amour. Tiens! La carotide, il n'y a que ça de mieux. Raté! Tu te rappelles quand tu voulais que je prenne la douche? Allez, c'est parti, allez, prends ton bain là! Prends ton bain! Ça fait plaisir? Encore un peu d'eau peut-être? Ah bah je vais avoir les pouces en golgo. Cet homme vient d'avoir la tête sous l'eau et a une coupe qui est parfaite. Ils sont fantastiques ces Anglais, vraiment. Sans gel, la petite méchasse qui dépasse. C'est super. C'est le compositeur de Rémi sans famille qui a fait les musiques aussi. Tendance suicidaire un petit peu. Ah d'accord, matonnet enfoncé quand le symbole d'accord s'affiche. Ok, super. Avant tu vas tuer... Bah, je vais tuer Flash. Ah ouais, les effets de lumière quand même, ça flatte la rétine là, quand même. C'est assez beau. Je dirais que c'est vraiment assez beau pour l'instant. Est-ce que c'est le cinématique? Est-ce que le jeu est comme ça? Non, le jeu a l'air d'être comme ça. Alors, bonjour, je me promène. Je regarde ces messieurs. Tu te rappelles quand je t'avais dit que je te tuerais en dernier? J'ai menti. Ah, monsieur, il y a un problème peut-être? Non, parce que c'est bien de faire la vaisselle, mais c'est mieux de ne pas mettre la tête dans l'eau. Hey, je voulais aller aux toilettes, ça tombe super bien. Mais où est le pot? Alors... Nous sommes en 1881... Ah, qu'est-ce que... Je n'ai pas pu aller... D'accord, ok. Je suis dirigé, donc. Alors, hop là. Hop là là. Bien bonjour DaVinci Player 4. Bien bonjour Nonos. Le gameplay pour l'instant c'est du QTE, donc en tout cas c'est beau. Ah oui, marcher pieds nus à cette époque. Eh mais regardez, il y a des interrupteurs. Tout en orientant L vers l'avant, appuyez sur L3 pour avancer plus vite. Parce que... Oh là là, c'est comme si j'avais bu 3 litres de vodka, bordel de merde. Ah oui, c'est pas mal fait, non, j'approuve fortement, c'est vraiment pas trop mal fait quand même, c'est pas dégueu même, je dirais. Jean-Pierre, je suis venu, je suis revenu pour t'aider. Tu te rappelles quand tu nous avais dit qu'on irait au Club Med? Je crois pas que c'était les chambres qu'on avait convenues, ça bordel. T'es toujours là? Oula, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il que je fasse? Ah, il faut que je prenne un truc là. Une arme. Inspecter, utiliser pour respecter l'objet. Alors, ouh, c'est beau. Ce mouvement de poignet. Eh, Jolly Jumper. Yeah, ouh. Attention, inspection. Super, manial, petit, grand, pas trop bien. On arrête les conneries maintenant. Eh, il n'y a pas de balles. Attention, un autre QTE pour récupérer les balles. Alors, comme par hasard, bordel, où sont les balles qui sont un peu partout sur la table et que je ne peux pas prendre, bordel? Hein, d'accord. Allez, comme une photo, comme dans les parcs d'attractions, si je mettais ma tête. Je peux pas non plus? Mince.
Bon, Jean-Pierre, c'est pas le moment. C'est pas le moment de. Comment dirais-je? De. Quoi? Oh mon Dieu. Je crois. Oh mon Dieu, je crois que cet homme est endormi. Ou peut-être mort, je ne sais pas. Alors, je. J'avance. Ah, attention, est-ce que vous voulez dire que ce petit point blanc veut dire quelque chose? Et qu'on m'indique d'aller dans cette direction? Ou est-ce que c'est simplement pour regarder? Attention, QTE. Triangle, ça va être dur. C'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce que c'est? Benoît, c'est quoi ce bruit? Quelqu'un essaie de s'échapper là. Si on y allait doucement. Ouais. Ah, d'accord. Pour grimper, appuyez sur X. Attention, ce doublage sera entièrement réalisé par des gens qui ont une gastro, qui sont essoufflés ou avec une embolie pulmonaire. Alors, j'utilise L pour avancer. Yo-Yo, c'est par un moule. Bonjour, SD80. Mais si, quoi? Qu'est-ce que. Personne. J'entends des grognements ou c'est moi qui ai un problème avec mon casque? Pour appuyer sur. D'accord. Oh, mais c'est Gears of War! Oh mon Dieu! Rostol. Oula, j'ai l'impression qu'il y a du Golgoth 73 qui arrive là. Ah, d'accord, il y a du monstre au buffle. Au revoir Gilles, salut Nono 958. Allez, go go, on va se casser, on va les laisser avec, avec la personne fortement sympathique qui fait ses petits grognements, hein, parce qu'on n'a pas besoin, ils ont pas besoin de nous, hein, c'est bon. Hein. Allez, allez, bouge, allez, bonjour, le. Eh ben, écoute, merci SD80, ça me fait plaisir de me voir aussi, enfin de te voir aussi. Ne fais pas tomber ce pistolet. Attention. Oh mon Dieu, le premier boss du jeu, c'est Tom qui sort de l'ascenseur. Du calme, mec. Freeze. Du calme, mec. Pas un mot, je te défonce, ok? Freeze. Entre. Ferme-les. Baisse ton pantalon. Donne-moi les clés de ta voiture. Je veux tes bottes, ton pantalon, les clés de la moto. Dépêche-toi. Quoi? Si on discutait un peu, plutôt. Oui, de dernière sortie, manga, jeu PlayStation, ça se passe bien avec ta C'est femme de en ce toi, moment? hein? Oui, c'est moi, Le effectivement. détenu dont tout le monde parle. Non, moi c'est Sparadrap, pas le détenu dont Y a tout le qu'un monde seul parle. moyen de sortir. Ah bon? D'accord, et tu vas me le T'es un dire? mort en sursis. Alors ça, c'est pas très gentil de dire ça, Et tu d'accord? devrais pas Vraiment pas quitter les lieux gentil. de combat. La ferme. Je fais ce Très que je bien. veux encore, Bon, d'accord? c'est des funérailles, pas les miennes. Waouh, monsieur le prend comme ça, hein, ça va, hein. Bouge. Un bouge. Il a déjà tué deux. C'est pour ça qu'on a des ordres tirés à vue. Il est armé! Il est armé! Mais pas sur moi! Nous avons l'ordre d'ouvrir le feu de partout sur tout le monde, d'accord? Alors calmez-vous maintenant. Salut Flowey, Flowey qui sera avec moi au Japan Expo Sud pour des reportages et attention j'ai. Oh là 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 là! Oh, tu me voles mon pistolet, bon. Oh non! Ah! Dans ton cul! J'ai vraiment cru que j'avais perdu quand même une fraction de seconde, hein. Ouh là là, combat dans un ascenseur, mais on se croirait dans un beat'em all là, double dragon! Double. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Et qu'est-ce que quoi? Attendez, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors attendez, non, qu'est-ce qu'il fallait faire, la bordel de crotte? Il est armé! Il est armé! Ne tirez pas, j'ai l'impression que je revois cette scène comme dans un jour sans fin. C'est fou, j'ai l'impression qu'en fait tout recommence autour de moi. Ça, c'est la faute de. Aïe, tiens, non, tu ne mourras pas ce pistolet! Ah ouais, il n'y a pas de balle dans ton pistolet, je le sais déjà. Tiens, boum. Tiens, prends ça, ma mandale dans la bouche.
Et je ne suis même pas décoiffé. Utiliser R pour... Ah d'accord. Ok, d'accord. J'avais pas compris, je suis une quiche Lorraine et je n'ai pas mes lunettes. J'ai l'impression que c'est écrit en tout petit. Bordel. Allez, brisage de nuque, là. Allez. Tu vas dormir, d'accord, mais c'est pour ton bien. Ok, j'ai pas de Doliprane sur moi. Allez, c'est prêt. 1, 2, 72. Allez, mais non. Tu souffres pas. C'est tes amis, ils ont bien apprécié la douche. Tu deviens un peu bleu. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Non mais oh. Coup de boule? Attendez. C'est une blagasse quand même. Attends, j'arrête pas d'appuyer sur X depuis tout à l'heure là. Ah ouais. Je voulais t'endormir, je vais dorénavant te briser la nuque. Allez, la puissance de Trakenfield là. Alors, hein. Tiens, le coup de la cuillère là, dans le X. Et voilà, hein. Qui c'est le papa? Voilà. Rendez-vous vite, monsieur. Le prochain tir sera très concret. Excusez-moi parce que je ne sais pas viser. Le prochain tir sera très concret, expression de 1885, très concret. Ah, j'ai l'impression que cet homme veut me laisser m'échapper. Mais je ne suis pas le scénariste du jeu, donc j'invente probablement quelque chose. Bonjour, Améthyste. Des années d'entraînement à California Game, mais bien entendu, voyons, tu as tout compris. Il neige, où c'est descendre? Là, sur le toit. C'est pas ce que vous croyez, je visite la cathédrale, d'accord? Attendez, pour 15 livres, je peux quand même faire ce que je veux, ok? Rendez-vous, et vite! Les mains en l'air, vite! D'accord. Les mains en l'air! D'accord, c'est bon. Plus un geste! Quoi? Ne fais pas ça! Rendez-vous, vous dis-je! Je me rends. Ne faites pas ça. Put this weapon down. Ok. Vous avez une voix ultra connue d'acteur. Mais calmez-vous, d'accord? Je vous reconnais. Vous êtes le méchant d'un Hunger Games. Vous avez la même voix. Oh pétard. J'ai fini le jeu. Ils avaient complètement faux quand ils disaient qu'il faisait 5 heures quand même, hein, 5 à 7 heures de jeu, c'était complètement faux là. Le jeu. En l'espace de 18 minutes, on le finit. C'est du n'importe quoi. Callahan, tu me reçois? Ah, Callahan, est-ce que. D'accord, Callahan. Ah oui, ça claque Callahan, quand même. Je t'entends, Perceval. Je t'entends. Perceval? La fraîcheur londonienne matinale stimule vraiment les sens. Chapitre 1, chevalier toujours, chevalier un jour, chevalier toujours, j'avais pas compris. Ils sont fantastiques quand même. Voilà une Haïti des milliards où c'est avec Ygraine et Lafayette pour circonscrire la menace. Elle Lafayette? Alors attends, localiser le United India House parce que j'étais un accent de merde. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que... Devant moi. Ouais, super, mais j'ai rien fait là, juste devant moi. Est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement? Coucou Xenia, coucou Nizoki. Oui. Ouais, il m'a fourni un armement. Et un truc qui n'existe pas et dont je sais pas me servir. Mais ça va. Eh, je peux encore regarder. Je peux inspecter mon arme. Eh, bonjour. Nous avons certes affaire à des fous, mais il n'en reste pas moins des civils. Utilise la force non létale, s'il vous plaît. Si c'est pas possible. Tu nous rejoins? J'ai une petite affaire à régler. Je vous retrouve après. Bon, en route. Terminé. Terminé. J'ai pas de micro, donc je parle dans le vent, en fait. Alors, tu t'imagines... John, tu vas mourir. Ah ouais, ça rend super. Alors, est-ce que je cours? Je peux courir. Je peux ne pas courir aussi. Je suis sur les toits. Je peux mettre une serviette. Je peux bronzer. Il n'y a pas de soleil. Il y a des dirigeables. Je suis en 1886. C'est intemporel, anachronique. Je ne sais plus ce que je dis. Je ne suis plus en train de jouer. Bonjour à tous. Voilà.
Alors, par où je vais passer? Par là? Non, je déconne. Attention, Resident Evil, passer par la fenêtre ou par la petite truc. J'arrive à ne pas me voir dans la vitre à part mon ombre. Ce jeu est extrêmement bien fait. Hello, docteur Lapinou. J'ouvre cette porte. J'espère que les rideaux bougent en même temps. Non, mais il y avait des beaux effets de lumière. Écoutez-moi, j'ai l'impression que tous ces meubles sont tout droit sortis du film The Conjuring. Ils les ont trouvés dans la cave ou quoi? C'est pas possible. Allez, je me repose un peu. Je ne peux pas me reposer. Il n'y a pas d'interaction avec les meubles. Attendez, mais c'est fou. C'est dingue. Je n'ai pas la même poupée chez moi. Callaghan, regardez. Quoi? Vous ne vous reflétez pas dans les miroirs. Non, mais c'est des conneries ou quoi? Non, mais c'est vrai en plus. Ils ne se reflètent pas dans... Attends, mais c'est une blague? Ah, mais non. C'est fou, ça. Bon, allez, je descends. La 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 la. Jean-Pierre, la peinture, faudra la refaire demain, d'accord? Merci. Non, parce que c'est bien beau de mettre de la moquette super trop vintage 1886. Est-ce que je peux rentrer dans le truc? Mais il faudrait me refaire toute la déco là. Merci beaucoup. Ça pète. Appuie sur R3 pour afficher les directives. Hé hey. Vous avez vu ça? Michael. Ah ouais, c'est beau quand même. Alors, mais arrête avec son truc là. Putain, j'appuie sur R3 sans faire gaffe. Mais attendez, mais c'est quoi R3? Mais rejoindre Eglin. Ah, c'était ça la directive. D'accord. Truc à faire là? Non, bah je regarde. Je regarde ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien à faire. C'est un ascenseur, ça? Putain, ça me rappelle l'ascenseur. Il savait faire les reflets. Je ne sais pas s'il savait faire les reflets dans les premiers Resident Evil. Ah bah tu vois, à défaut de faire le salon, la maquette, là, tu lustres bien. Et tu sais, moi je connais un bon ami à moi, il s'appelle Maître Miyagi, il disait « frotter, lustré », et c'est bien, tu verras, tu vas apprendre le karaté comme ça. Donc là, c'est déjà bien parti. Par contre, tu me feras le... Quoi? Tu m'as parlé? Tu me dis quelque chose, là? Oh, you talking to me, là? Tu me regardes un peu, là? Oh, Mino, là. Ouais, d'accord. Fais pas trop le dingue, hein. Tu me feras le plaisir d'enlever toute ta merde aussi, là, avec tous les livres qui traînent par là. Qu'est-ce que c'est, ça? 20 milieux sous les... C'est quoi, cette merde? Putain, c'est pas possible, ça, là. Ouh là 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 là. Bon, bah, je vais sauvegarder. Ou pas. Je sais pas. C'est peut-être pas le même jeu. Hein? Bonjour, Wakrik. La période à l'ordre, mais au lieu, il finit tout complètement pété, c'est fantastique. Je sauvegarde pas, d'accord. Bon, allez, c'est parti. Frédéric, arrête de dire de la merde. C'est pas possible. Juliette, je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. Nous nous reverrons. Mais c'est ma femme. Ah bon? Bah désolé alors. Ah, interaction. Je prends ce dossier-là. Mr. Dispers in the Witch Chapel and Wacom City. Quoi? Oh pétard. C'est fou. C'est dingue. C'est de la bombe de balle. Eh? Eh ben ça va? Dis-moi, ça va? Parce qu'en fait, la force de poncer le même... Là, parce que là, on parle plus de nettoyage, là, on parle de ponçage, là. J'ai l'impression que la barrière est blanche, contrairement à l'autre côté, qui est encore marron. Enfin, bon, bah, continue à travailler, hein, c'est super. Juliette, je t'aime, je pense à toi, et je ne vais pas dire ça à chaque fois que je vois un tableau de toi. Même si tu ne t'appelles pas Juliette. Ah ah! Est-ce que ce point veut dire qu'il y a une interaction? Et moi je suis un dingue, je ne le fais pas. Non, je déconne, on sait jamais, je vais le faire quand même. Inspecter. Regardez, je peux faire ça aussi avec les photos, c'est une photo en 3D. J'ai l'impression de vous voir sortir de la photo, c'est trop bien. Ouh là là là. Ah, appuie sur triangle pour voir l'arrière de la photo. Kodak.
The Wenham Family, 20 juillet 1886. Quoi? J'ai entendu des gros mots. J'ai entendu salaud, merde, crotte de bique. Bonjour, messieurs. Eh, hey, bonjour. Hey, c'est comme ça que tu passes le balai, toi? Sans que ça touche le sol? Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Écoute-moi bien, Bobby. Écoute-moi. Je te paye pas 500 livres par douzaine d'années, d'accord? Pour faire ce travail, d'accord? De chien-lit, ok? Si tu veux qu'on sorte des proverbes de 1886, on va le faire de chien-lit, ok? Alors, écoute-moi, ou ne m'écoute pas, mais fais quelque chose. Bon, d'accord. Bon, je t'invite à aller voir ton ami en haut, d'accord? Parce que non, c'est pas possible, ok? Non, bah, il n'y a rien là, hein? Il n'y a rien du tout, là non plus. Bon, bah, on avance. Ça, c'est vraiment de la décoration de merde. Alors, allons, c'est parti. On avance. Ah, quelqu'un a fait ses bagages. Quelqu'un s'en va. Ce n'est pas moi, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Ça... Bon. Bonjour. Bonjour deux fois. Bonjour. Pin, pin, pin. Tu ne me réponds pas. Très bien, ça va. Bon, bah écoutez, faites comme si je n'étais pas là. Ça a l'air d'être facile pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récup? Ah! Le morte d'Arthur. Ah, attendez, alors, option, qu'est-ce qu'il faut faire? Appuie sur option. Le morte. Il retourna de toute l'Angleterre et régnait en tant que tel. Vivait dans les Cornouailles un puissant duc qui, depuis longtemps, défait son autorité. Cet homme était le duc de Tintagel. Le roi Uther demanda un pour lui présenter ce duc, accompagné de son épouse, laquelle est réputée pour être bonne et un peu intelligente. Ygraine, de prénom M, Migraine. Le duc et son épouse furent ainsi présentés au roi. Il est reçu avec les grandes attentions. Il y avait des olives partout, de leur choyade. Il avait envie de la niquer. Tu celle-ci se refusa toutefois au roi. Elle en informa dans le duc son époux et dit: quel déshonneur que nous ont été renvoyés! Va lui botter le cul, d'accord? Et défonce-lui un peu sa race. Je recommande que nous quittions cet endroit sur le champ et que nous profitions de notre château et peut-être pour s'arrêter sur un petit côté et faire des petites passes comme ça. Mais bon, pas plus. Voilà. Alors, je pense que l'on va dépasser les 50 heures de jeu. Oui, moi aussi. Et je suis... Il avait besoin de le savoir. Je descends la rue en ce moment, je suis encore dans l'immeuble. Hein? Ah, viens, je peux. Ah, je vais sauter par là. Attends, il n'y a rien à faire là quand même. Il n'y a rien d'autre là. Tiens, comme ça vous aurez de quoi de nettoyer là. Moi je suis comme ça. Boum, 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 là, voilà. Tiens, là. Voilà. Pff, ça vous apprendra à faire le ménage comme des fifres. Alors. Rejoins des graines. Hop là, Yamakazi, Assassin's Creed. Boum boum, c'est la fête. Ah ouais, c'est pas Joe Vittori qui veut quand même. Hein. Le mec, il vient de faire un saut. C'est bon, je pense qu'il était au bord de l'infarctus là en fait. Pop 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 pop. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu sauter de mon immeuble parce que je n'ai pas pris l'escalier pour descendre en bas. Hein, d'accord. Ah mais c'est fantastique, dites-moi. Hey, comment je fais? Appuyez sur rond pour vous laisser tomber comme une grosse merde et peut-être vous briser le fémur. Galahad, Ygraine, des nouvelles de Lafayette? Non. Négatif. Ah quoi? Il faut aller chercher? Idem. Il faut aller aux galeries Lafayette? J'ai pas compris, il faut aller aux galeries Lafayette? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais crois-moi, il saura se débrouiller. Attendez, mais ça veut dire quoi ça? On a... Je n'ai pas le temps de partir à sa recherche. Oh putain, les inspecteurs à leur poste. Regardons l'arrière.
Qu'est-ce que c'est que ces traces? Utilisons du luminol. Alors, The Ring of Nibelungen, l'anneau des c'est pas vrai. The Luminous City? Charles Dickens, bien connu pour avoir écrit le manga Naruto. Oh là là, c'est fantastique. Ils ont mis plein de petits clins d'œil comme ça, par-ci, par-ci, par-là. C'est fantastique. Est-ce que j'ai du courrier comme dans Zelda? Non, ça ne marche pas. D'accord. Attention, parce que moi, quand je marche sur l'eau, on dirait que je marche dans du caca. Ah ouais. Rien du tout ici. Est-ce que je peux faire une interaction avec cette porte qui ne sert à rien? Est-ce que je peux courir? En fait, il a pas envie de courir là. Hein. D'accord, ok. D'accord, donc il faut que j'aille chercher... Ah, il y a des messieurs avec des chapeaux melons et je crois qu'il y a aussi des policiers londoniens. Et des caisses à ma droite aussi, ce qui ne veut strictement rien dire et qui ne n'avantagera pas l'histoire, surtout. Bah attendez. Bonjour. Je vais aller les voir, tiens, allez. Bonjour monsieur. Ça va? Qu'est-ce qui se passe madame? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ouais, je vous comprends. Je comprends. Je vais vous demander de rester à l'intérieur avec votre mari pour le moment. Ah bah c'est maintenant qui parle lui. Monsieur l'agent, je dois rejoindre mes enfants à la maison. Je comprends très bien madame, mais l'accès à cette partie de la ville est interdit aux civils. Alors envoyez-y un agent. C'est impossible monsieur. Et je suis là moi. Oh je... c'est le sixième sens ou quoi? Vous me voyez pas? Je suis là. Je suis pas mort hein. Tout ce que je puis vous dire... Je suis un agent. Demandez à tout le monde de ne pas sortir. Alors vous leur avez parlé? Pas directement. Comment être sûr qu'ils ne risquent rien? Pain, pain, pain. Qu'allons-nous faire? Bah écoute. Au moins qui est mon mari? N'insistez pas. Vous savez qui c'est? Qui c'est qui parle à côté là? J'entends un blablabla. J'entends des voix, j'entends des morts. Mais c'est pas possible. Ma grand-mère avait la même dans son jardin, je ne déconne pas. Mais c'est quoi cette voix? Vous entendez? Je vais vous demander de rester à l'intérieur avec votre... Oh là là, c'est bon, tu m'as gavé. Bonjour. Vous surveillez quelque chose? Attendez, moi aussi. Y'a rien? Attendez. Vous surveillez quelque chose? Y'a... Bonjour, ça va? Oui, bon, je m'en vais. Alors... Hé, hey, MCM! Ils avaient déjà des chaînes à cette époque. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme doit absolument voir un médecin. Qu'est-ce qui se passe? Je suis médecin. Le personnel médical est actuellement indisponible. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça va pas? Vous avez un souci, monsieur? Je peux vous aider? Je peux vous mettre en PLS, si vous voulez. Bon, je suis désolé. Oulala, oulala. Je prends le vélo, je m'en vais. Ça va aller, monsieur? Ah? Encore quelque chose? Je récupère ça. Je vais éblouir les gens aux alentours. Oh! Oh! Tu m'éblouis! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Oui, ça va, je m'amuse avec mon poignet. D'accord? Mais en fait, à quoi ça sert là? Je peux les récupérer ça ou pas en fait? On dirait qu'il a du mal à respirer. On dirait qu'il a du mal à respirer, cet homme est médecin ou a vu tous les épisodes de Dr. House. Ah bah si c'est un asthmatique... Ouais. Ouais. Et j'ai un gros truc dans le dos où je peux vous la mettre où vous voulez. Y'a pas de soucis. Alors... Ah! Du jeu. C'est bon. Je vous trouve très séduisante aujourd'hui, Roberta.
Il a dit le talent. Ça fait 35 minutes que l'on parle et on dit de la cave, on dit de la merde. Mais si, la demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy, c'est pas ton genre. Mais c'est la voix de Hugh Jackman. Mais c'est pour ça qu'il a la coupe à la Wolverine. Qui sont les cibles? C'est la voix de Hugh Jackman. Des aliénés qui se déchaînent. Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. Des aliénés? J'espère que tu n'as pas perdu la main. Lequel? Le 1, le 2, aliéné isolation? Non, je sais pas. En son temps. C'était. Tu assures toujours? J'assure. Ne t'en fais pas pour ça. Bien, madame. Ygraine, réponds. Bien reçu, Perceval. Ygraine. Multiple repéré à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Je vais agir avec prudence, y'a pas de soucis. Bien, Gray. En route. Bah, c'est beau quand même. À quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que. Alors, un mec dans la rue, le sens, et le remplace, c'est logique, mais carrément. Par contre, je voulais savoir là, comment il fait pour courir. Merci. Quand d'accord. On y sera, ne laissez personne passer. Vous n'avez pas besoin d'aide, ma belle. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, tu t'es pris pour qui, là? Je voulais dire un homme pour prendre les choses en main. C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. C'est une femme qui a des coronaires. Les mercenaires à la gâchette facile. La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en retrait. Alors... Suivre Ygraine. Non, ça fait 35 minutes qu'on la suit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire qu'il y a des méchants? Moi, je la suis pas. Moi, je cours pas, moi, d'accord? Parce que je suis un dingue. Non, par contre, je comprends pas, là. Putain, on peut pas appuyer sur un bouton pour courir. Mais il faut que j'appuie sur R3. Mais c'est laid, ça. Je viens de comprendre comment faire. Galad, à couvert. Ouais, d'accord. Je me mets à couvert, je vais le défoncer. C'est pas de l'action. Ok, hop là. Ouais. R2 pour tirer avec votre arme. Maintenant L2. Ah. Tiens, meurs, pourriture de communiste. Rechargeons. Ouais, on c'est recharge bon. Ah, on recharge. En avant, Bobby. Allez, je grimpe. Ah, ça y est, bon, c'est bon. Hop là. Y'a pas de. Ah, munitions. Je. D'accord, c'est des God 72, les mecs. Sortez d'ici, trouvez des armes. Vous deux, ramenez vos mites ici, venez m'aider. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il la se... C'est parti, bande de bâtards. Un fusil serait plus approprié. Ouais, ah ouais, bah je veux bien. Ah, voilà. Merde. Tiens. D'autres fugitifs dans la ruelle. Certains se dirigent vers l'atrium. Il faut que je recharge. Ah ouais. Putain, c'est Call of Duty à l'époque mérovingienne. Je dis de la merde, c'était victorienne. Ah, des munitions. Tiens, headshot. Il y en a d'autres dans la cour. Ça fait rien, ça fait rien. Alors, attendez deux secondes, je reviens.
Les joies de la paternité. Alors, attends, je peux pas prendre. Je ne peux plus prendre de munitions, j'ai trop de munitions, je suis trop un dingue dans ma tête, d'accord? Alors, est-ce que je peux rester. Hop! Tiens, 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 meurs! Oh non! Oh non, je vais mourir comme une merde! Ah ouais, merci! Merci! Eh, c'est quoi toi? Tu crois que je t'ai pas vu? Boum! Oulala, oulala. Je recharge. Ah non, Amy, tu vas avec maman, s'il te plaît. Boum! C'est pas des jeux pour toi, ça, chérie. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? Fugitif à terre. Moi, je suis un nerveux, moi. Je suis un nerveux. Faut... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que quoi? Il est où, lui? Où est-il, bordel? Boudiou? J'aime bien le bruit des flingues. C'est sympa. Hop. Ah bon? Alors c'est bien, mais moi il me faut des munitions. Je vais retourner là-bas à la munition. C'est net. Amy, tu ne devrais pas être là. Je ne peux pas jouer si tu l'as. C'est un jeu 18+. Les familles de France risquent de venir. Eh ben non. Ah hein? Non mais oh, qu'est-ce que ça veut dire? Va voir maman, vite. J'ai trop de munitions. Amy, ces gens dorment, hein? Ils sont pas... Enfin, c'est pas ce que tu penses, hein. Je jure que je vais lui faire sauter la cervelle. Allez. Oh putain, j'avais pas vu lui. Meurs. Bien entendu. Bien entendu. Bien... Putain, je me suis cru dans une scène à la Robocop à un moment. Arrête, j'entends, c'est vrai. Non mais ça c'est fou. Oula, Cassos. Vite, d'autres fous à l'intérieur. Je prends je prends celui de droite, tu prends celui de gauche, ok? Même si je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, R1. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Monsieur, ça va? Vous avez pas pris de genre de déflagration dans la bouche? Non, parce que je sais pas du tout ce que c'était. Hop. Alors. Ça va? Alors pour l'instant, le gameplay c'est du Gears of War avec beaucoup de QTE, beaucoup de recherche. Mais qu'est-ce qu'elle boit? C'est du sirop de grenadine? Bon sang, c'est une boucherie. Ouais, d'accord, le mec il a vu un mec tomber par terre. C'est une véritable boucherie. C'est pas vrai. Du fumigène. Bien. Du schnaps? Alors. On m'appelle Sniper Wolf, moi les amis. Eh, hey, y a pas un truc à manger ou à boire là avant de continuer? Comment ça, dans le bar? Oula! Oh! Tiens, brisage de nuque, tiens! Oula, vite! Casso, je me planque. Et je pique la caisse. Et toi, tu restes par terre. Mais oh!
Oh, le mec, il s'est... Oh, les gars s'esquivent à l'envers. Ouah, je me cache derrière. Oh punaise. Cible anéantie. Cet homme était très poli. Il n'a pas dit putain. Ah oui, c'est vrai, Sniper Wolf meurt. Bonjour vous. Merde. Il y en avait d'autres à l'étage supérieur. C'est fou. Nous devons y aller. Nous devons y aller. Le secret de la licorne. Vite. Hop là. Est-ce que... Wouh. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Ah, des munitions. Merci. Hop là. Et hop là. Est-ce que je peux faire ça sur la table? Ça ne marche pas. Et on dit pas putain, il faut respecter les oreilles de la pitchounette qui n'entend certainement rien puisque j'ai le casque, donc elle n'entend pas. Bon, Ygraine, je te laisse aller là-bas, moi je passe par cette porte qui ne sert à rien puisqu'elle ne fait que partie du décor, ok? Très bien. Allons au deuxième étage. D'accord, c'est vous le boss, boss. Ne vous énervez pas trop quand même. Dors, Rémi, je le veux. Tout se passe comme prévu, alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à l'ombre. Ha. Et oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Honneur aux dames. Je suis obligé de couper... Silence. Silence. Je crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois. Allume-moi la lumière, s'il te plaît, Amy. Oui, vous aurez peut-être cette chance-là. Et vous ne m'avez certainement pas vu avec mon flingue qui dépasse. Hein ? Il les endorme, hein ? Il les endorme. Ceci, la version... Éliminée. Ah, dans les côtes. Steven Seagal like. Yeah, what again? Mais tu viens d'où, toi? Ah ouais? Moi, j'arrive comme ça, moi. J'utilise pas d'armes, là. Moi, j'utilise pas d'armes. Et je meurs. Je meurs. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, je régénère, enfin j'ai pas compris. Je bois de l'eau noire et après je régénère, c'est ça? Tu es mort comme une merde. Mais non, je ne suis pas mort! Ah bah ouais, merci, c'est pas grâce à toi, Ygraine, hein. Ça c'est pas de soucis. Hein. Elle est où, elle? Ça va, on pourrait se bouger un peu plus, là, quand même, là. Courir, allez. Oui, je suis au début du jeu, Zalko. Regardez, ce parfait reflet de moi. J'ai l'impression d'être un vampire. Ygraine? Ah, d'accord. Excusez-moi, je savais pas que c'était là. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ça pour tirer? Ok. Hop là! Moi, je sais pas jouer au billard, hein, d'accord? Je préfère... moi, c'est le tir au pigeon, plutôt, hein. Oh, deux en même temps, là. Hop là. Et lui, il a découvert. Mais ça se fait où, ça, de rester à découvert? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouh.
Je peux recharger peut-être? Non, on s'en fout. Bon, on s'en cague. Vous deux. Chef, descendez. C'est quoi ces sales pifs que vous avez? Hein? Oui, chef. Chef, le général Lafayette est à côté. Le général Lafayette est à côté. Non, je compte pas le terminer en un seul live, mais. Une femme dans cette ville qui ne va pas séduire. Je sais pas, mais tu n'as plus mal à ta blessure? Essaye de pas t'attarder. Non, elle s'en fout, sa blessure. Ouh, c'était la fête. Lafayette. Bonjour, je suis français. Cette demoiselle requiert mon attention. Marquis, ton attention est requise ailleurs. Soyez sûre, mademoiselle, que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation. Oh, Marquis, ne partez pas ainsi. Hélas, non. Mademoiselle, mon devoir je vous aime. M'appelle ailleurs. Bonjour. Est-ce que vous voyez là? Ce n'est pas un lapin, mais vraiment la joie de vous revoir. Au revoir. À la française. Fantastique. Que c'est beau. Amy, pourrais-tu m'allumer la lumière, s'il te plaît? N'est-ce pas? Je n'avais pas vu. C'est parce que vous n'êtes pas français. Tu es le plus américain des Français que je connaisse. Je suis un amoureux de la liberté, mon ami. Un vrai chevalier doit réfréner ses passions. Sans passion, monsieur, un homme ne peut combattre. On ne combat pas. Tu me peux m'allumer la lumière, s'il te plaît, bébé? Quelle importance. Vive la liberté. Vive la liberté et vive la France. J'avais pas entendu. Merci. Perceval, Caradoc. À qui parle-t-il? Est-ce que ça a rapport avec le scénario du jeu? Je ne le sais pas encore. Étrange. Très étrange tout ça. Faisons le regard de l'homme qui trouve ça étrange. C'est dingue. En tout cas, c'est super beau. C'est vraiment très très beau quand même. Et là, je me fais écraser par un bus. Pouf ! Et fin du jeu. On y va. Pas trop tôt. Pas trop tôt ? Excusez-moi, madame. Hein, d'accord ? Si j'étais vous, je ne me permettrais pas de me dire ça. Enfin, je me permettrais pas de me dire ça, ce qui n'est phrase qui n'est certainement pas française, d'accord ? Marquis, prenez cette entrée avec Dame Ygraine. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Avec Dame Ygraine. Dame Ygraine. D'accord. Allez, c'est parti. On avance pour suivre les cibles restantes. Quartier général à tous les chevaliers. Le métro londonien n'a jamais été aussi beau. La police vient de boucler les zones concernées. Les sentinelles continuent de patrouiller. Nous alerterons si nous repérons les patients en fuite. Des sentinelles, vous voulez dire ce genre de robots qui traquent les mutants et qui les défoncent? Parce que ça fait un peu peur là quand même. Merci Zalco 6, merci beaucoup. Invite tes amis, ça leur fera. Ils aimeront peut-être aussi ma façon de dialoguer, on ne sait jamais. J'ai l'impression que les gens sont partis assez vite. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. Les bouteilles rouges que l'on voit disséminées à travers le jeu depuis tout à l'heure et qui ne veulent rien dire? Un interrupteur? Y a rien. C'est marrant parce que ça, vous voyez, cette caisse là, comme ça, avec ce drap, il était dans l'appart aussi. C'est fou, hein, comme on peut récupérer des trucs. Une lumière rouge, c'est dingue. Alors, j'avance avec parcimonie, tranquille. Quoi? Oui. À quand la prochaine saison? Ça sera le film 7, Kiki. Compris. Il y a eu un compris d'un coup, je sais pas ce que c'était. Non, c'était pas un jeu avec un zombie, non. Pas du tout. Je vois. Regardez, il y a la même bouteille rouge là. J'avance lentement, j'espère. Putain, mais c'est beau, hein. C'est vraiment classe. Hein. Moi, je trouve ça vraiment très très. Alors, on t'a vu là, il y a besoin pour Wixé au niveau du générateur. Hop là! Nathan Drake. Bonjour. Ça va pour un petit vieux quand même, hein? Ouh, c'est beau ça! Ah, non, peut-être qu'il faut que je monte. J'étais sûr de te battre sur ce coup. Ah bon? N'oublie pas. Elle est où, elle? Les jeunes gagnent toujours. Mais t'es où, toi? Qui me parle? Qu'entends-je? Qui est-ce? Quis-je? Bon, on s'en fout.
en fait, hein. Alors, quel est le rapport? Je n'arrive pas à le prendre, c'est fou. Hey, Bobby! Ouh, quel saut d'ange! Hey, vous avez vu? Alors... T'es un homme du Nord, ils vivent plus longtemps, donc ils sont plus forts. Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde pas, Amy! Attention, ça fait peur! Écoutez, il y a un problème, cet homme vient de gastro. Je crois que cet homme a une pilosité très importante. Et qu'il a peur de moi. Alors, c'est à ce moment-là, normalement, que vous, comment dirais-je, que... Êtes-vous proche de lui ? Oula, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Ah, d'accord. Il va falloir du temps pour le rejoindre. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais il m'a fait peur! Mais oh, mais oh! Il est joueur, lui! Eh, le nonos! Eh, mais le nonos! Allez, 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 allez! Esquive! Eh, pas esquive! Ouh là 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 là! Oh, mais oh! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je suis mort comme une grosse quiche Lorraine? Où es-tu? Où es-tu? Hop là! Hop! Hop là! You! Hop là! Hop là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire à part les plaquer par terre et se faire défoncer comme une grosse quiche? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? T'achever, je suis désolé. C'est un peu gore quand même. C'est un petit peu gore. Cible confirmée de mon côté. Ah ouais? Bah je vais rester dans l'angle, hein? Parce que ça marchait bien quand même là, l'angle, hein? Ah là, hein, ça marchait bien. Oh, mais ils sont 18. Ils sont 18. Hein? Monsieur, accrochez-vous. Ouais, accrochez-vous, facile à dire. Tiens, meurs, pourriture de communiste! On ne regarde pas! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai loupé! Je l'ai loupé! Monsieur! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai vu des mecs, ils étaient poilus, ils couraient, ils avaient des crocs, je sais pas. Arrête, prenez avec ton fusil. Ouh. Remonte au niveau de la rue et je le suis! Partez par là et interceptez-le! Compris! Oula, de l'électrofusil là? Oh mon, oh my god! Là, je vous dis, on est plus là pour exercice là, nous! Exercice? Attention, c'était un peu dégueu les textures là quand même là. Ou oh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai défoncé la grille. Mais je sais pas où il est. Poursuivez le lican. Ouais, je veux bien. Et moi je passe que là où il y a les portes ouvertes. Hein,
Allez, allez, go, go, go. Yamakasi. Vous savez, parfois les décors, ça me fait penser un peu à BioShock Infinite. Bonjour. Allez, hop là, on monte. Tiens, tiens, je t'ai eu. Un Green Jade, hello. Ah, putain, le premier coup, là, far shot, là, comme ça, là, bam. Hein, qui c'est le papa? Hein? Tout le monde va bien? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça, bordel? Qu'est-ce que c'est ça? Menace neutralisée, hein, ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. Ah. On se retrouve sur Regent Street. Bien reçu. Pas de soucis, on y va. On y va. Hé, hey, j'ai écrit les dialogues du jeu, moi aussi. Papa, oui. Oui, il est sale. Il est très très sale. Alors... Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Westminster, regarde pas, fille de Sparadrap, trop violent. Ah, ben oui, j'aimerais bien. C'est pour ça que j'essaye de la cacher. Je pensais bien que l'ordre des chevaliers de sa main... Hop. Alors attendez deux secondes, oui, parce que c'est vrai que ça commence à être un peu... C'est marrant. Qu'est-ce que tu... Amy, va là-bas. Dépêche-toi. C'est du n'importe quoi. Je joue et en même temps, je m'occupe de ma fille. C'est fantastique. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. Cet homme a une conjonctivite, j'ai l'impression qu'il a les cheveux, les yeux rouges. Ceci vous intéressera peut-être. Qu'est-ce que c'est, un compact disque de Zaire? Qu'est-ce que c'est? Les preuves indirectes peuvent se révéler. Le collier d'Anastasia Steele? Elle pointe dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elle pointe de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Je comprends pas cette discussion. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion. Ouais. Puis ce Jack. Mm-hmm. Ainsi que les ventreurs. Ouais. Puis ceci. Ouais. Étrange, mm-hmm, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des... Mm-hmm. Des récents démêlés. Ouais. Il faut étudier le moindre indice. Ouais. Le conseil se réunit dans deux jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Oui. Comptez sur moi à Westminster. Par ici, chef. Excusez-moi. Bonjour. On est ténèbres. Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviens de votre conseil. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Bien sûr. Bon les gars, vous avez compris. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile? Nous devons le découvrir. Ils font des expériences dessus, je sais pas. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des ronds de cuir. Un chevalier. Il a raison. Il faut porter cette affaire au conseil. Un chevalier. J'allais dire un truc, je ne m'en rappelle plus. Alors, les siècles ont passé. Hey, c'est le dictateur d'Hunger Game. S'est toujours acquitté de sa mission sacrée, en préservant l'équilibre entre hommes et hybrides. Bon, pour l'instant, les doublages sont pas trop mal. Elle fut la quête du fondateur, le roi Arthur. D'accord, donc ils sont au courant qu'il y a des hybrides. Briller à jamais. C'est vrai. Le grand chancelier s'est battu aux côtés d'Arthur, d'après la légende. Aujourd'hui, l'équilibre est menacé.
Donc c'est la table ronde, c'est ça? Les chevaliers. Comme une mesure. La rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fléau lican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avalera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas de la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire. Non, il est pas là, Arthur. Je crois qu'il est mort. Hein. C'est la fac, c'est ça? J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. D'accord. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir nos rangs se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Ah ouais. Ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels... Non, je ne sais pas, la MIA7 en Belgique. Conjoint, pas une riposte hâtive. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. Chapitre 2, bien sûr, Elric. Chapel a besoin d'être débattu. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs? Darwin? La théorie de l'évolution? Lord Hastings, Lord Danglars? Tout à fait, grand chancelier. Il y a trop de noms, là, anglais, là, je commence. Ça devient dur. Fort bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de Sa Majesté sur l'affaire Whitechapel? Pour ou contre? Non, non. Les contre. Contre? Ah, ouais. Très la bien. Séance est levée. Merci. Merci. Bah, écoutez, les amis, on a fait 1h07. Grayson. Ah, quoi? Notre immobilisme nous tue. Ok. Laisse tomber, Sébastien. Pas la prudence. Bon, d'accord. Sir Perceval est très agité. On dirait Monsieur Poulpe, vous trouvez pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attention. Les amis, je pense qu'on va arrêter pour le premier chapitre. On a fait le premier chapitre en 1h08. On va arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour un soir avec le deuxième chapitre, et même on va peut-être continuer encore. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce premier stream sur The Order vous a plu. On va continuer parce que c'est vraiment énorme, j'aime bien le concept et tout, c'est assez sympa. Même si ça, au niveau du gameplay, ça va tranquillement. Hein. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez quand je stream. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ma page Twitch si vous voulez suivre mes streams. Ou à vous abonner sur ma page Facebook ou Twitter, sur mon Twitter, c'est Sparad of the Dead le Twitter, et pareil pour le tweet. Mais abonnez-vous à ma page Twitch, c'est super important, et comme ça, grâce à vous, voilà, je pourrai continuer à faire des streams et tout si ça vous plaît. Voilà. Donc merci à vous, gros bisous, et je vous dis à très bientôt avec ma fille qui peur et qui veut pas des pâtes au cube. À très bientôt.